À 6h35, on fait le point sur le sport avec la 10e journée de Ligue 2 aujourd'hui. Au programme notamment Saint-Étienne-Grenoble, privé de public depuis le début de la saison. Les Verts vont retrouver leurs supporters, un huis clos décrété après les débordements du 29 mai dernier au soir de la relégation. Jean-Luc Boujon, le chaudron devrait donc bouillir à nouveau tout à l'heure. Le public devrait venir en nombre tout à l'heure à Geoffroy Guichard. On annonce une affluence de plus de 20 000 personnes pour ces retrouvailles entre les Verts et leurs supporters. Des supporters privés de match depuis le début de la saison à cause de la suspension infligée par la Ligue de football. Du coup, revenir enfin au stade, c'est le bonheur pour les fans. J'ai vraiment hâte, comme si c'était ma première fois. Ça vous a manqué ? Oui, il me manque une partie de moi-même, on va dire. Moi, je vis pour Saint-Etienne. On a le sang vert, quoi. Et on attend que ça, quoi. Ça fait du bien, j'espère que ça se passera bien et que les supporters se tiendront correctement quand même et qu'il y aura la victoire au bout. C'est une que j'avais coché depuis longtemps. J'étais là pour le dernier match, donc je suis très heureux de retourner au stade, même si c'est en seconde division. Mais je m'imagine pas du tout que ça se passe mal. Cette année, je pense qu'on repart sur une nouvelle base. On a une nouvelle équipe et on est forcément avec le groupe, on est à fond avec eux. Des supporters qui veulent que leurs joueurs donnent tout dès le début du match, une pression que la nouvelle recrue, le milieu de terrain Victor Lobry, juge très positive. Forcément, quand on signe ici, on regarde quand est-ce que les supporters vont revenir. Donc ouais, ça fait un moment qu'on y pense. On aurait aimé être un peu mieux classé aussi pour les accueillir, mais bon, ça peut être qu'un soutien, je pense. Ça peut que nous pousser. Un soutien dont les Verts auront bien besoin pour obtenir la victoire, eux qui sont 18e au classement, toujours après 9 journées en position de relégable. Saint-Étienne, Jean-Luc Boujon, Europe 1.